All right. Fait que salut David, on est ici à 9 jours de ta prochaine course potentielle qui serait un marathon sur route, fait qu'un marathon sur Montréal qui s'appelle Oncourt Montréal. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est pas mal l'une des dernières courses là, au Québec cette année. Je dis que c'est ta prochaine course potentielle parce que t'es pas encore sûr à 100% si tu vas faire la course ou non. Fait que tu m'as dit qu'aujourd'hui, ça allait justement être un entraînement qui va t'aider à décider si tu vas la faire ou non. Fait que peux-tu juste nous dire, dans le fond, c'est quoi l'entraînement que tu as de planifié aujourd'hui, puis comment ça va t'aider à prendre la décision pour la semaine prochaine? Oui, j'ai 3 fois 3000, 3000 mètres, donc avec 2 minutes de récupération entre chaque. C'est juste pour voir si ça marche bien aujourd'hui. Ben, je vais continuer mon entraînement. Il est samedi, environ une semaine avant, je vais prendre ma décision finale parce que c'est quand Ok. même une course de fin de saison. J'ai déjà fait un marathon. Et Ben. depuis 2 semaines, là, il y a beaucoup de microbes qui courent dans la maison et à l'école, donc les enfants sont malades et. Ouais, ça, faut quand même dire, t'as fait un marathon, là, ça fait un mois et un jour exactement, là, t'as fait le petit train du Nord que t'as gagné en 2h27, qui est très proche de ton PB de Ouais, j'étais à 2h26. 59 secondes de mon record. C'est pour ça qu'après, je me disais, ah, facilement, je pourrais refaire un marathon. Et Oncourt Montréal, ça a l'air d'une boucle assez rapide qu'on fait 9 fois. Donc, je me disais que peut-être c'était possible d'aller chercher mon record, surtout que là, je vais avoir 40 ans dans 15 jours. Donc, mais je me disais, peut-être que je devrais y aller et m'essayer. Mais ça, depuis 2 semaines, c'est pas mal difficile, là. Donc, pour ça que, à ce moment, je Parfait. m'essaye, ça Fait marche pas, que... ben. Je Parfait. tombe en saison off, si ça marche, ben Alright. on va pour samedi. Fait que 3 fois 3000, 2 minutes de récup, les minutes de récupération, repos complet ou un petit Ben, jog jogging repos, là. ou... Ok, parfait. Fait Jog que là, on fait repos. un petit warm-up avant de commencer. Oui. Parfait. Fait qu'on passe ça. Ouais. Pour l'entraînement aujourd'hui, t'as-tu un pace spécifique que tu essaies de suivre ou tu vas plus y aller par selon tes sensations? Dans ma tête, j'ai un pace que je vais atteindre Ok. pour voir si je suis vraiment à la forme que je veux. Mais je vais y aller quand même selon comment je me sens, là. Mais je vais tout le temps de plus lent à plus rapide, là. Ok. Genre, l'entraînement, je vais commencer sur des bases de 3,20. Ok. Et la deuxième 3000, peut-être des bases de 3,10, 3,15. Et gagner 3000 en bas de 3,10. Ok, ouais, quand même. Fait que, ouais, ça fait. La dernière fois, j'avais fini mon dernier 3000 en 8,59. Donc, Ok. je vais vraiment finir Ça fort. va, ouais, toi. Ben oui, c'est tout en bas de 3 minutes du kilomètre, là. Je pense pas aujourd'hui là. Ouais. Ah, il fait frette aussi là. Là, on va faire quasiment en bas de zéro là, je pense. Mais je pense. Tantôt je regardais, c'était comme 4 degrés, mais c'est très humide. Ouais. Avec Puis le vent, ça. il n'y a pas de soleil C'est aussi pas chaud là. là. Ouais. Va falloir que j'enlève mon manteau, mais. Non, ça va pas trop te tenter. Non, pas vraiment. Ouais. Fait que là, on part Non. par ici à gauche Ah ou... non, on Ah, va par vers là, la ok. descente. Parfait. Et sur le premier, si ça va bien, 3,20. Ouais. Mais je veux pas trop me mettre De... d'objectif parce que je sais Ouais. pas comment je vais réagir. Non, c'est ça. Je suis mes jambes, ils veulent rien Ouais. savoir. Puis les souliers que t'as, c'est lesquels ceux-là aussi? C'est les Nike Vaporfly Next Percent. Ok, c'est ceux que t'as mis pour le marathon le mois passé? Oui, Ok. je les mets rarement à l'entraînement. Ok. J'ai d'autres paires que je mets pour Ok. l'entraînement.
Puis on met pas avec des carbones les autres. Ouais, ouais. C'est assez doux sur le. Donc c'est assez facile, c'est absorbant, donc c'est facile, ça tape pas. Parfait. Ok. On est prêt? Premier 3000, c'est parti. Ouais. Ok. C'était quoi tes temps? 3.18 le premier kilomètre. Ouais. 3.9 le deuxième. Oh shit, ok. J'ai rentré un peu. C'est trop vite. Le premier étoile, t'en combien? Gagné en 3.30. Ok, ah, très solide. Fait que pas mal mieux à ce que tu t'attendais dans le fond, 3.20. Ouais, mais c'était comme le deuxième kilomètre, t'es beaucoup trop vite. Ouais. 3.9, j'ai ralenti en gagné. À voir si ça va tenir. Ouais. Ben, c'est quand même pas. C'est pas un parcours si facile que ça, là. T'as quand même au moins 2-3 tournages, quasiment 90 degrés, là. Fait que. J'ai dit d'un côté. C'est léger pour le descendant. Ouais. Donc tu roules comme un champion. De l'autre côté, ben. Tu te ramènes. Ouais. Tu te ramènes du coup de départ. Ouais, ouais, c'est ça. C'est léger, mais ça. Tu le ouais. Vois. J'ai sensé assez. Mais de l'autre côté, je dis, quand même. Tu vas en faire, mais. Est-ce qu'il est plaisant avec cette route-là? Le vent, tu vas jamais plus que 150. Ouais, mètres, c'est vrai, ça. T'as raison. Fait que. Fait que c'est une boucle de quoi, de 800 mètres, hein? 850 mètres, ok. Donc la prochaine, peut-être 3-15 si ça va bien. Ok. Mais je veux pas exagérer, je vais me garder pour la dernière répétition. Ouais.
Puis pour ton PB, un marathon à 2,26, 2,27, c'est un pace de combien ça? 2,26, 2,25, c'est un 3,28. Ok. Ouais, quand même. Ok. Alright. Deuxième 3 km. Pas nécessairement sur des parcours faciles, mais les parcours que je vais être en avant de la course. Ouais, ouais, parce que je checkais ça hier, là. T'as fini, tu sais, t'as gagné le marathon de Montréal une fois, puis t'as fini deuxième deux fois, puis à chaque fois, t'as fait, tu sais, sub 2:30, je pense, sauf une fois que t'as fait 2:30 flat, là. Ouais, la première année, mais, le marathon est mouillé. Mais tu sais, le marathon de Montréal, c'est, comme tu dis, là, c'est pas un marathon facile, là. Non, t'sais, il était pas dans le c'était à Québec. Ouais. Il était encore plus ici. Ok. Québec. Mais c'est ça. Des marathons d'automne, je suis plus fort. Ouais. Alright, let's go, let's go. Solide là. Ça avait l'air vraiment facile à la fin là. Ah mais je voyais le temps descendre. Je suis en train de fuir. Tu l'as fait en combien celle-là? J'ai fait combien de kilomètres? Premier, je suis pas trop sûr. Mais je pense que c'est autour de 3,16. Ok. Deuxième kilomètre 3,15. Okay. Dernier 3,02. Ah bah ouais. Hey, c'est un pacing à la perfection ça. Ouais. Si tu le fais la semaine prochaine, ça serait ton combienième marathon, tu le sais-tu? 36. 36, aïe aïe. Aïe aïe, aïe, c'est fou là. J'ai fait mon premier à 16 ans. Ok. Moi, je courais tout seul. Et ouais. À 16 ans, je me suis dit que je faisais un marathon. Ok. Hey, 36e marathon, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut dire ça là. Puis t'es encore en train de faire tes performances vraiment ouais, proches de ton PV en plus. Hein. Ouais, j'ai fait beaucoup d'ultra aussi les dernières années. Ouais. Ok, troisième intervalle sur 3. Let's go, good job.
job, man. C'est bon. T'as combien, le troisième? 2,58. 2,58, ta babouette. 3,01. Okay. 2,59. 2,58. T'as fait littéralement exactement ce que t'avais planifié, là. Ouais, 8,58 d'abord. Ouais, c'est fort, là. Hey, t'as fait 3 fois 3000 avec le dernier en bas de 9 minutes. C'est fort. Une question, on va dire, que j'avais. Dans le fond, David, là, toi, t'es pas mal un des seuls athlètes québécois là, qu'on peut dire qui est considéré comme un coureur élite à la fois sur route et sur trail. T'sais, sur route, t'as gagné, là, t'sais, t'as gagné le marathon de Montréal, t'as un PV de 2h26. T'es très solide là, sur pas mal toutes les distances sur route. Mais t'es aussi très bon sur trail, tu l'as montré il y a 2 ans à l'Ultra Trail Arcana de 125 km. C'est un parcours avec des sections très techniques. Là, 125 km, là, c'est une autre game totalement. Là. Fait que, selon toi, c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu penses que tu fais dans tes entraînements là, qui te permet d'être bon dans les deux disciplines? Mais à la base, j'ai une bonne endurance, donc peu importe. Que ce soit sur route ou en trail, même en raquette, je cours beaucoup en raquette aussi. Ok. Et même en cross-country, j'ai fait beaucoup de sortes. J'ai fait de la piste aussi, donc c'est pas parce que tu fais de la route ou tu fais de la piste que tu peux pas l'entrer là. Même au contraire, il y en a plusieurs. Que, tu vois, ils arrivent de la piste et du cross-country, ils sont super bons en trail. Ouais. Leurs jambes bougent vite et ils sont déjà. Dès leur première course, ils sont bons. Mm-hmm. Et tu penses-tu que la transition se fait plus facilement de la route vers la trail ou de la trail vers la route? Ben, c'est mieux de faire la route vers la trail là, ou de la piste vers la trail. C'est mieux d'aller jeune à la vitesse. Et... Ouais. Parce que tu ne l'auras pas plus en vieillissant. Là. Mais. Techniquement, je me considère très faible. Là. Surtout que je rajeunis pas. Mais. Au Québec, c'est quand même plusieurs courses vraiment très difficiles. Je les trouve difficiles techniquement. Oui. Éventuellement, je pense que en trail, vraiment, j'aimerais ça aller faire des trails. Ouais, plus comme aux sur États-Unis. 100, 160, ouais. Sur 100. J'ai beaucoup aux États-Unis où la trail. Oui. Plusieurs courses semblent assez techniquement très faciles. Mais oui. Donc, vraiment pouvoir courir sur longue distance et. Garder des bons rythmes, des bons paces. La pire que je trouve en trail, c'est de marcher. Ouais. Je trouve ça tellement difficile mentalement. Fait que là, ça te donne combien de kilomètres pour aujourd'hui au total? Oups. J'arrive à 18 bientôt. Ok. Très solide entraînement, ça. Je voulais courir ce midi, mais je vais courir. Ouais. Alright, ben merci beaucoup David, puis bonne chance la semaine prochaine si tu décides de faire la course. Merci.